ça va avec tout le monde, c'est Seijo qui nous retrouve pour cet épisode 114 sur Higurashi no Gokurani ou le sanglier ciel en français. Et donc dans l'épisode précédent, Akasaka et Oishi ont choisi d'aller voir un village encore plus paumé qu'Inamizawa, qui se situait donc un peu plus loin dans les montagnes. Et pour le coup, juste après, on a eu une grande séquence qui n'est toujours pas terminée, où pour le coup, on était, vous voyez l'histoire, du point de vue du petit-fils du ministre Inugai, et qui donc voulait s'arranger pour faire la comédie afin qu'un médecin vienne et, peu importe comment, réussisse à l'aider pour réussir à s'échapper, pour empêcher qu'on puisse encore faire pression sur son grand-père, qu'il respecte beaucoup. Voilà. Et c'est donc à cet endroit-là, lorsqu'ils ont choisi d'appeler, pas n'importe quel médecin, mais le docteur Irie de Inamizawa, pour venir l'examiner. Donc on va voir comment ça se passe. C'est parti.
Bon, et eh bien je pense qu'on va s'arrêter ici pour cette fois. Donc, quoi de nouveau? Bah, on a traversé en fait les barricades et autres des gars du village, et surtout on a vu que Irie était effectivement allé voir le petit-fils du ministre Inugaï. Donc après on va voir est-ce que le petit-fils du ministre Inugaï va réussir à s'échapper, et est-ce que c'est de cette façon en fait qu'il a réussi à faire tomber son portefeuille là-bas ou pas? Parce que c'est possible que ce soit qu'en fait il l'ait perdu en route. Mais bon, il est probable que c'est effectivement un Takatsudo que le petit-fils du ministre se trouve, et que là, Oishi et Akasaka s'approchent lentement mais sûrement du problème. Bon, et eh bien j'espère que cet épisode vous aura plu, donc j'espère vous retrouver très très bientôt pour la suite. Allez, salut, c'était Seijoki.